Salut mon séant, ouais, voici Captain Flair, c'est plus connu sur le nom de champion même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild. Dans la dernière vidéo, on a été voir la madame qui est probablement au-dessus de 100 ans, peut-être 120 ans, 30 ans, je sais plus. Elle avait quel âge quand elle a rencontré Link? Je sais pas. Là, on s'en va voir la DS. Me prendre l'endurance. J'étais déjà parti. Labo. Il faut que j'aille par labo. Ok, labo. Si vous vous demandez quel est mon objectif en ce moment, qu'est-ce que je compte faire en ce moment, c'est d'aller affronter. C'est d'aller affronter l'éléphant. Bon, pas l'éléphant en tant que tel. Dans le fond, je vais faire l'histoire au début. Mais après ça, je ne ferai point l'histoire, c'est vrai. Je vais aller débloquer quelques zones. Dont aller à une place précisément. Bah, faire une. Un des souvenirs. Qui est sur la place. Sur une place, là, proche du château des héros. Je vais le savoir de toute façon. Oh. Pour que cela je me rends là, il y a un temple là-bas, là faut que je me rende là, peut-être faire le temple après, peut-être. Il peut regarder ma vue, par contre. Donc essayer de me toucher plus. Wow. Bon, il faut juste que j'essaye du feu. Là. Juste là, du feu.
Ah oui là bas. Pour un bain pratique. C'est à peu près ça, si je me trompe pas, faire du feu. J'utilise mon cyclique, qu'est-ce que j'ai eu? Ok, c'est le même. À chaque fois que je jouais à Zelda ou à certains jeux, là, que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, je m'en souviens même plus comment faire les commandes. Voilà. Faut aller là. Dans le temple, je ne pourrais point le faire. À moins que vous me dites comment le faire.
si c'est possible, bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi que je dis ça. Tu fais quoi? Et voilà. Et quel sombre destin t'emmène à marauder à une heure si tardif d'un individu suspect. Je viens visiter. Après inspection plus approfondie, je constate que tu es la réalité un alien ordinaire. Je suspecte ordinaire. Il connaît pas Link. Tous les inconnus de prime abord. Déformation professionnelle. Désolé de t'avoir un peu mal mené. Tu peux circuler, tu es de passage, n'est-ce pas? Si tu veux faire quelques emplettes, il y a tout ce qu'il faut à l'épicerie. Nous avons aussi une auberge tout au bout. Le temple. Je vais l'activer tout de suite, comme ça il va pas être énervé. Il va pas énerver. La face c'est qu'il est facile à faire. Mais vu que ça prend... À moins que vous savez comment le faire. Moi je veux que je... À moins que vous savez... Sachez comment faire. Parce que sinon ça ne fonctionnerait point. Malheureusement, je ne peux point faire cette ligne. Si simple. Il y en a peut-être deux. Que je ne pourrais pas faire. À moins que vous me dites un commentaire comment faire, mais sinon je ne pourrais pas le faire. Malheureusement. Au moins je l'ai activé et tout, là, au moins. Allons la voir. Elle va nous référer à l'autre, puis l'autre va nous référer à elle. Bienvenue au laboratoire antique des millimètres. Je veux voir le chef. Tu veux voir le chef du laboratoire? Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je te prierai de ne pas lui prendre trop de temps. On va le voir, après ça, c'est... Non, c'est pas moi, c'est elle. J'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres inés au même endroit. Non, j'ai vu pire que ça, là. Dans une grosse... Je suis dans la bibliothèque, quelques... des petites bibliothèques, ça n'est pas mal. Imagine des grosses, encore plus. Je me trompe. Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu retrouver concernant les civilisations antiques. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Ah, c'est... Attends, c'est sûr, c'est... La tablette...
La tablette. Mais oui, aucun doute possible, c'est la tablette Shaika. Cela te semblera sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Si tu peux me dire quels modules ils sont installés, cela m'aiderait grandement dans mes recherches. Le Synetti, oh oh oh, le Polaris, oh oui, les bombes à distance et le Cryoni, et quoi d'autre, quoi d'autre? C'est tout? Ce qu'il y a, il y a comme module? Étrange. J'ai l'impression qu'il te manque les modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Oh, mais où sont mes manières? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Canel. Et toi? Tu t'appelles Link, c'est ça? Dame Impa m'a parlé de toi. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait à nous avant la table. Avec la tablette Shaika. Son nom serait Ling et il serait l'espoir de notre monde. Celui qui s'éveille du sommeil de la renaissance. Ah, mais j'ai omis un détail de plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef, écoutez, chef, c'est la tablette Shaika, la vraie. Je vous l'avais dit. Mais vous avez ce que vous êtes. Vous avez ce que vous n'étiez pas le chef. Hein, j'ai menti, c'est ça? Fais entrer, mais c'est pas le bon, la bonne affaire. Ah là là, quel étourdi, je ne t'ai même pas présenté encore. Chef. Notre chef. De laboratoire. Mais c'est toi le chef, on me dit que c'était toi. Mais non, c'est pas moi. Le chef de ce laboratoire antique, c'est elle là-bas, Dame Pruha. C'est la plus expérimentée de notre petite équipe. Petite deux. En tant que chercheur, j'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de la science. Il faut que tu saches une chose, Ling. Dame Pruha a l'air d'une petite fille comme ça, mais... peut-être que je ne devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas. Si tu veux en savoir plus, tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. Je suis grise. C'est alors, t'es surpris? Pas vrai? Ben oui, c'est moi le chef du laboratoire antique d'Elimi et pas Canel. Alors, Ling, c'est comment le sommeil de la renaissance t'a fait de... En tout cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans. C'est fou quand même, hein? Pas une seule petite ride. Et tu te sens comment depuis ton réveil? Pas trop rouillé? Bah, si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop mal. Qu'est-ce qui va pas? T'as l'air toute bizarre. Attends, me dis pas que tu sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi? Quoi? Oh non, c'est trop triste, je n'en remettrai jamais. Il y a 100 ans, le Flioganon t'a mis... Alors, et au centre de la Renaissance. Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil. Le sommeil de la Renaissance était quelque chose, je te raconte pas. Je m'y attendais.
Après avoir été plongé pendant 100 ans de sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique ou fait bien semblant, c'est noté. Ah, désolé, je prends tout le temps des notes des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions? T'es un enfant? Eh hey, mais, toi aussi t'es un enfant. Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée. Ou un peu trop réussie. Ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut, mais t'as pas intérêt à aller le lire. Compris, ça serait trop la honte. As-tu de pas aller là? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la première chose qu'on va faire. Laisse faire. Revenons plutôt à qu'est-ce qu'on disait. Te revoilà enfin, après 100 ans. Et qui c'est qui va terrasser le terrible canon qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi. Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? C'est encore toi. Alors moi, je vais mettre sur ta tablette Sheikah ces modules de base manquants. C'est le... Bon, c'est bien, hein? Pas besoin. Après son réveil du sommeil de la Renaissance, le sujet présente une certaine arrogance. Bon, si tu changes ta vie et t'as plutôt intérêt à le faire, viens me voir. Oh, ça recommence. Oh, le texte. Oh. Pour le fun, je vois que ça. Je vois. Après son réveil, tu présentes des difficultés de compréhension. Wow! On peut utiliser les bonnes. Une réponse exacte à ce que je voulais entendre. Faut pas de notes. Alors tu vas me rendre un petit service. Et je cherche la flamme bleue. Pour que tu regardes comme ça. Désolé que je paille. Y'a un problème? Dis donc, tu croyais quand même pas que j'allais te réparer ta tablette chez K gratuitement? C'est pas ça. Très bien, je vois. Le sommet de la Renaissance a rendu le sujet plus insolent. Wow. Je l'ai déjà lu une fois, mais... Pense à que je suis ski. Si tu veux pas allumer notre forme avec... Je l'avais aussi une femme bleue. En tout cas, ok, je l'avais pas lancé comme une femme bleue, je l'avais... Hop hop. Et bon, je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Inquiète-toi pas, ça va être comme si c'était déjà fait. Pas besoin de tour, j'en ai un. Rien. Il y a où des choses, cette torche là. Je prends des notes sur toi. C'est des notes professionnelles, mais dans le fond, c'est professionnel, mais sur toi.
J'espère que ça va pour... Il mouille quand même, hein. À moins que ça se fouille... Ça. Mais qu'est-ce qui est plate, faut faire le tour. Est-ce que je compte finir le jeu à 100%? Je pense pas. Honnêtement, là, je pense plus de finir le jeu à 100%. On tourne juste de faire l'histoire, tout simplement il se fait. Oh, peut-être. C'est pas bien fait, hein? Comment cuire des pommes. Puis les récupérer. Si simple que cela. Oh, attends, c'est encore mieux ces pommes-là. Parce que c'est des pommes. Ça, je peux vous dire, c'est des pommes qui sont antiques. Un commentaire. J'espère qu'il faut pas m'emmener à l'autre bout du monde. J'espère, c'est moi. Ok, laisse là. C'est bon. Ling! Bravo, regarde par là. La pierre guide s'est mise en marche. Enfin, tu as l'air de parfaitement fonctionner. Ma petite pierre guide. Mon adorable pierre guide. Elle vit. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à ta tablette TK. Mais il va falloir me faire un magnifique. C'est un petit cas. Ah, je peux pas te lire. Ça, c'est des pierres guides, ça s'appelle. Module de bord, c'est juste une affaire de photo. Et tout cela. Et on peut prendre des photos. Je vais en prendre une, mais je vais l'effacer tout de suite après qu'elle l'a montré. C'est pour ça qu'elle dit tout le temps ça. Bon, comment qu'on fait? Faut moi c'est que ça. Il n'y a pas de petit pour des photos.
C'est un fait. Eh oui, j'ai perdu la mémoire. Si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à retrouver la mémoire. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. J'ai conservé cette demande une fois que tu auras rendu cette à Impa. Ce serait bien que tu peux chercher les matériaux antiques. À moi ou à Farah. De Akala. Pokémon. La ville d'Akala. Comme de Pokémon. Première photo, c'est là. Mais la première photo que je veux aller voir, c'est lui. Ensuite, lui. Parce que ça, c'est proche de la plateforme. La plateforme. Puis je vais aller débloquer. Aller à la tour pour la carte. Avant d'aller là. Ça, je vais mourir quelques fois par contre quand je vais. Ah! J'avais entendu dire que Puriha t'avait mené la visure, mais tu n'as pas l'air si mal en point. Voyons voir, montre-moi ça. Mais ce sont des photos que le précédent a prises il y a 100 ans. Si les lieux qui apparaissent sur les photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Pour compliquer. C'est qu'un tour dans ce coin-là, c'est là que je vais aller dans la tour. Mais hop. Avant d'aller voir le éléphant. Il faudrait aussi que j'aille des armes. Parce que je pourrais les équiper pendant la tête. Mais pas du tout. Vous voyez, c'est cette tour-là qu'il faut que je me remplisse. Elle ne sera. Ça ne sera point évident. Ça, je vous le dis tout de suite. Oh, my God.
Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine... C'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi ? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement ? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame ? Est-ce que tu l'as déjà entendu ? Elle doute. Beaucoup. On dirait. Je savais que... C'est ça, je savais que, où qui était. On va aller voir Impa, mais dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que nous allons faire, parce que ça va être déjà fini. On va aller à la tour. On va aller voir le second souvenir de Link. Le problème, c'est que... Vous savez les robots? C'est pas évident avec ça. Alors, le pays est pas loin, là. C'est quel pays dans ça, il est vraiment pas loin. Et c'est les robots qui c'est pas évident de les éviter. Comme je sais que j'ai de la misère à m'y rendre. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remettre ceci tout de suite avant que je ne l'oublie. Ces vêtements t'appartiennent, c'est la princesse qui me les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu as été reconnu comme l'un des prodiges. Prends un grand soin. Je l'avais retenu de Zelda et vert. Ah, ça a plus d'allure, comme ça, non? Qu'en pensez-vous? La vraie tenue de Link, c'est vert, mais la tenue à Link pour ça, pour Zelda, ce Zelda, du moins, c'est pas mal ça. C'est juste 2 rubis. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Parce que moi, j'ai hâte de faire la suite. Ouais, j'ai hâte, mais en même temps, j'ai pas hâte d'affronter... d'essayer d'éviter les machines. Par contre... Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aurais pas le choix de le faire de toute façon. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter... Ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.